Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sepel Télévision. Très très importante qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo. Excusez-moi. Dès l'actualité, selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous nous appelons République démocratique du Congo. Nous nous disons être un pays des droits, un pays des démocraties et on ne peut nullement prétendre un pays des démocraties si les libertés individuelles, les libertés d'opinion et d'expression sont opprimées. Le Décrit Info, c'est donc un magazine d'opinion où moi, je viens me présenter devant vous. Je prends un thème d'actualité, je le décortique et je lui donne un sens ou une forme, selon moi. C'est mon point de vue. Ça s'est fait, il faut balayer ces petites rumeurs des gens qui n'ont pas de connaissances dans ces domaines-là, qui disent parfois, ce que tu fais, c'est pas du journalisme, un journaliste. Non, le journalisme, c'est fait sur base d'un certain nombre de principes, que ce soit théorique, ce soit des principes qui régentent le métier. Et dans ces principes-là, dans le traitement d'informations, nous nous attelons, nous nous basons sur ce que nous appelons genre journalistique. Parmi les grands genres d'ailleurs, il y a l'édito qui est tout simplement un point de vue où un journaliste vient, il donne son point de vue. La théorie, la science lui reconnaît ses droits-là de donner son point de vue. Il est citoyen d'une société. Quand il a un point de vue à donner, il fait donc appel à ses gens journalistiques qu'on appelle édito et aidant. Le cas de cette émission, c'est tout simplement un magazine éditorial où Claude Perrault-Louara vient tout simplement dire... Il y a ça, ça dans la société. Voici ce que moi, je pense de ça, 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 ça. Quand je veux aussi faire un reportage, quand je veux aussi faire les interviews, comme vous les suivez d'ailleurs sur CPL, à ce moment-là, je me détache des faits. Je prends du recul par rapport aux faits. Je vous relate ce qui s'est passé. Ce ne sont pas mes humeurs, ce ne sont pas mon ressenti. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. À ce moment-là, je prendrai peut-être un autre genre. Je prendrai l'enquête, je prendrai le reportage, l'interview. Il y en a un récit, par exemple. Et ici, c'est plutôt mon ressenti, ce que je ressens, comment je vois les choses, comment je les sens, comment je préconise les choses. Et je viens donc ici donner mon point de vue. Laissez-moi vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission et à ce que nous faisons. On est resté droit sur nos bottes et droit sur nos convictions, malgré la méchanceté, les difficultés, les insultes, des problèmes de tout genre. Nous avons une conviction, nous avons notre idéal, nous avons notre manière de voir les choses. On s'écarboute là-dessus et on fait des choses que nous, personnellement, nous estimons être bien. Nous avons une ligne que nous respectons. Merci énormément pour vos messages, pour vos appels, pour vos critiques. Merci de continuer à nous faire confiance. Trois choses que je vais vous demander, comme je l'ai toujours fait au début de cette émission. La première des choses, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le regardez en famille, vous le regardez avec les amis, faites-moi ce plaisir-là, faites-moi cet honneur-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez à cliquer donc sur le bouton de l'abonnement. Ça me fera énormément plaisir de vous compter parmi mes nombreux abonnés. Je regardais, on est presque à 83 000, je ne sais pas moi, 82 000 quelque. On va vers... on va vers 83 000. Donc, continuez à les faire. Ça me fera énormément plaisir. Un téléspectateur m'a dit que le cap ici, c'est atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est un pari. Contribuer donc à ça. Deuxième élément que je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander de faire, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo.
la vidéo que vous suivez là, si elle vous intéresse, si vous pensez que vous pouvez nous mettre à l'abri de certaines actions, parce qu'il y a des esprits tordus, malveillants, qui peuvent attenter des actions pas bien, mais vos likes peuvent nous protéger contre ces actions-là. Donc, likez la vidéo et puis partagez-la. Donc, likez et partagez. Et troisième élément, vous connaissez le principe, allez appeler Judith Londolé-Bétoco. Judith Londolé-Bétoco, Betokos, Molatisiki Toko, Milambaki Toko, Yemoko Kitoko, Mama Betoko, Judith Londolé-Bétoco, Molatisiki Toko, Milambaki Toko, Yemoko Kitoko. C'est donc notre partenaire qui a une boutique extraordinaire. Pour tout ce qui concerne l'habillement homme, vous pouvez vous en rendre compte. Moi, non, je prends pas le risque. Je prends le temps de travailler avec elle. Les téléspectateurs qui ont été satisfaits des services qu'elle rend sont nombreux. Je connais la personne, je connais la qualité de ses produits, je connais le sérieux qui le caractérise. Donc, je ne vous demanderai jamais d'aller, je vous amènerai pas dans l'abîme, pas dans une sorte de fossé. Donc, chaussures, vestes, cravates, chemises, cinglés ou maillots de corps, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme, montre tout ce qu'il y a comme parure en ce qui concerne l'habillement homme. Vous n'avez qu'une seule adresse. Si vous nous aimez, si vous pensez que vous voulez nous aider, s'il vous plaît, commandez vos habits chez Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londonoise, parce que nous aurons des retombées. Hein? Nous aurons des retombées. Quand vous commandez, on a des intérêts là-bas. Donc, c'est aussi une bonne manière de pouvoir nous aider. Appelez Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londonoise. Regardez les spots publicitaires qui s'affichent, qui a été diffusé au début de cette émission. Vous allez également le retrouver à la fin de cette émission. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Commandez vos produits. C'est chez notre ami Judith Londolé Betoko. Allez, les amis, aujourd'hui, je viens un peu pour qu'on fasse une sorte de panoplie de beaucoup de choses. Je parle un peu aujourd'hui de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo avec le slogan de l'état des droits lancé par le président Tshisekedi. Je reviendrai sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec la MONUSCO, vous le savez, quelques petits soucis, mais aussi et surtout le tout dernier rapport publié par les Nations Unies, ce rapport qui incrimine très clairement, en des termes clairs, le Rwanda, parce que les experts des Nations Unies notent une présence rwandaise sur le sol congolais. Les experts notent que les troupes rwandaises combattent aux côtés des M23. On va tenter de tirer les conséquences, ou plutôt les leçons de cette situation-là. C'est mon point de vue. Permettez-moi de les réitérer. Je donnerai mon point de vue sur cette situation-là. Et à la fin, peut-être comme on a l'habitude de les faire, je veux ouvrir mon micro et mon téléphone. On va poursuivre les débats en dehors de cet espace. On parlera de ça peut-être à l'extérieur, parce que bon, un écrit info, ce n'est pas un magazine, un téléphone ouvert. Il y a un espace où vous pouvez aussi intervenir. Ça s'appelle Allô, ça s'appelle. Mais comme c'est des principes, permettez-moi de commencer cette émission toujours et encore par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je ne parlerai pas beaucoup de cette situation-là aujourd'hui parce que je veux revenir, lorsque je vais évoquer la sécurité et la situation avec la MONUSCO dans l'Est de la République. Les amis, permettez-moi de vous dire que dans l'Est de votre pays, il y a des situations extrêmement dramatiques. Que ça fait 2 décennies au moins que des dizaines de millions de personnes, je parle des dizaines de millions de personnes, sont tuées. On est à la barbe de nous tous et surtout sous l'œil, je veux dire, complaisant de ce que les gens appellent communauté internationale, de la nébuleuse communauté internationale. Quand on regarde le comportement des maîtres du monde, quand on regarde le comportement de cette communauté dite internationale, on a vraiment l'impression que le tout s'est fait sur base des intérêts. Dans certains coins, lorsque leurs intérêts sont engagés, on a l'impression que la vie humaine, elle est plus importante qu'ailleurs. Je vous donne un cas simple. Regardez la mobilisation générale qu'il y a aujourd'hui, par exemple, au niveau de la guerre, de l'intervention de la Russie contre l'Ukraine. Parce que là, il s'agit d'un problème, excusez-moi, il s'agit d'un problème géopolitique, d'un problème de positionnement de forces sur la scène internationale. Parce que l'Ukraine s'est fait agresser par un adversaire
Vladimir Poutine, la Russie. Vous voyez comment ils mobilisent le monde entier. Mais la même situation, vous allez le vivre avec Israël, qui n'arrête pas d'entrer en Palestine, alors qu'aujourd'hui et hier, il y avait encore d'autres problèmes entre Israéliens et Palestiniens. La politique des colonies se poursuit. La même communauté internationale s'était à un autre discours lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine. Israël est un État fort à côté. On est dans une situation d'un État qui existe de fait, c'est-à-dire la Palestine, qui subit les mêmes affres. Des brimades, des morts, des bombardements de la part d'Israël. Autant que Poutine le fait avec l'Ukraine. Mais comme c'est sur le plan des relations, ils sont en bon terme avec Israël, là, les morts palestiniens ne comptent pas. Et vous allez vous rendre compte que même les médias internationaux, ils n'en parlent pas. Autant qu'ils parlent aujourd'hui de l'Ukraine. Regardez ce qui se passe en Afrique. Vous avez des despotes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans. Donc, on a vraiment l'impression que lorsque les intérêts des forts sont en jeu, la vie humaine est perçue de manière totalement différente. Donc, c'est là que j'en appelle donc à la responsabilité de nous tous. J'en appelle donc à l'amour de la patrie pour que nous puissions travailler pour ce pays et que nous puissions nous battre pour que la situation change. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Est de la République. Souffrez que je revienne encore demain et que je dise la même chose. C'est notre pays. Et quand le pays vit des situations compliquées, les amis, comprenez que je m'attarde de temps en temps là-dessus. J'en parlerai encore quand je vais évoquer la situation dans l'Est. Laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'atteler sur le tout dernier rapport des Nations Unies qui indique que le Congo subit une agression de la part du Rwanda. Et les Nations Unies attestent qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Pardon. Bien avant, je vous propose de me permettre d'aborder deux, trois petites questions d'actualité brûlantes dès l'heure. Parce que j'ai eu du mal à me réveiller quand même ce matin, les amis. J'ai vraiment eu du mal à me réveiller ce matin. Vous savez, chaque jour qui passe, je me pose la question de savoir ce qui se passe vraiment dans la tête du président Tshisekedi. Sincèrement. Je me dis, même quand on n'a vraiment pas besoin de l'évoquer négativement, pour que ça ne puisse pas paraître comme si c'est une sorte d'acharnement, mais il y a tellement des bêtises qu'il fait ou que lui ou son régime oblige à un moment donné à tout le temps l'inviter à l'actualité. J'étais malheureux, les amis, malheureux de me réveiller ce matin avec l'arrestation de Maman Marie. Maman Marie, c'est cette maman-là qui a presque 70 ans, je crois 69 ans, qui a été enlevée aujourd'hui chez elle à 4 heures du matin. Et les ont un discours assez dur, assez parmi les critiques de M. Tshisekedi. Est suivi par les Congolais et par les non-Congolais, certainement qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Je voudrais vous proposer de regarder un peu la maman dont je parle et vous allez vous rendre compte que le pouvoir pour le pouvoir a dépassé le cap de la dictature et il est en train de se déshumaniser. Donc là, M. Tshisekedi a quitté le simple cadre des actions despotiques pour devenir quelqu'un qui n'est plus humain. Regardez un peu Maman Marie dans une de ces petites vidéos assez célèbres qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Je reviens, je parle d'elle, et puis après on va continuer. Si de l'autre côté de la régie est d'accord avec moi, sur cette vidéo. Banda, élection et salama. Likambo moko ya malamu ezate. Président, oya zobukun, ce qui a zalaka président, ce qui a zalaka nanyo, oye vite. Biso bato, comment kotambo le neti ba niyama. Banda kukutu tozo kolala, bam susu bako sala 3 jours, 4 jours, moto ezo pelate. Dollar namboko oyo, ezalaka nonande.
le dollar est comme 1, Nicolo est comme 215. Bon, le loi à Tozali, bateau te foutu la candau. Bami bali bazana misalate. Bana pe misala isate. O qui salme banda. Qui salme banda. Qui salme me banda. Qui salue yamouibi me banda. Donc qui salue ya. Ba kaki kunu na mebanda to ki salu yaba wewa mebanda ki salu mini mebanda bisaba tozo futila nda tozo kokate après na yako zua le kamba nyo salite ngana ko zel kamba nyo salite ino sacré Félix Tshisekedi a sali yango bino bana mboka nyonso bana mboka nyonso na bino ba mama bokota po mboka etambola parce que alobi Kabila kangaki ye a bloqué ye deux asali le côté yango asali union sacré na bino ba mama alobi kuna bokolia bokomela bilange ko salema fufwe ko koma moins cher makam nyonso ko bonga na mbara moko yozo mona ngo nenge nini papa enyo salite wana sali bona ye moko amati sananu muyibi na ye. Merci à notre ami qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, j'ai voulu vous mettre à cette vidéo pour que vous, pour ceux qui ne connaissent pas cette maman, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de sa situation, de son âge et tout ça. Maman Marie, c'est une femme qui vit dans les quartiers les plus reculés de Kinshasa. Donc, c'est pas une femme riche comme vous pouvez bien vous en êtes certainement aperçu. Elle est connue pour ses coups de gueule contre le pouvoir de M. Tshisekedi. Elle a fait une vidéo il y a 2-3 jours. Je vais peut-être vous balancer ça prochainement, mais c'est cette vidéo-là qui lui a valu des problèmes. Dans la vidéo, elle parle de notre très distinguée première dame, Denise Nyakiero Tshisekedi. Elle dit que Denise Tshisekedi, c'est pas une Congolaise. Elle dit que Denise Tshisekedi Kombo Niake ou Nakongwez à la raté. Elle va un peu plus loin, elle dit que Denise Tshisekedi a Kanga Mobali Nena Kissi, tout ça, à Botola Mobali Abatou, tout ça. Et il me semble que c'est à cause de cette vidéo-là que Maman Marie se trouve aujourd'hui en prison. Les amis, l'état des droits, c'est un état dans lequel les principes prennent le pas sur les individus. L'état des droits est un état dans lequel tous sont égaux et soumis aux mêmes principes, aux mêmes règles. Je suis totalement d'accord, peut-être qu'il y a des gens qui se sont sentis esquintés, lésés par les propos tenus par Maman Marie. Mais l'infraction soit-elle commise par Maman Marie, ne doit pas amener aux violations ou à la violation des règles, à la violation des droits de Maman Marie. Si vous estimez que cette pauvre dame a insulté notre première dame, la distinguée première dame, fallait-il venir l'enlever à 4h du matin? 4h du matin. En quoi cette femme, cette maman, représente-t-elle une menace pour le régime de Tshisekedi? Chaque jour qui passe, le régime fait que le Congolais puisse le haïr, le sortir encore davantage de leur cœur. Je ne sais pas si le président de la République, évidemment, ça fait 4 ans que nous sommes en train de nous plaindre sur son entourage. Je ne comprends pas des gens qui sont autour de M. Tshisekedi s'ils le conseillent. Mais que la vieille, là, ait commis soi-disant des infractions, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on l'accuse c'est des diffamations, d'insultes et d'injures. Mais ça ne vous donne pas le droit, vous, État, de pouvoir violer les principes. Ils vont mobiliser des policiers, ils mobilisent des gens cagoulés, des jeeps, des polices qui viennent là-bas à la Tchangou pour prendre cette vieille maman à 4h du matin. Nous attendons que l'État puisse déployer la même force pour arrêter Makenga et les autres. Nous attendons que l'État se montre à la hauteur des attentes pour les ADF qui tuent dans l'Est de la République. Le régime Tshisekedi est incapable de nous amener la paix dans cette partie. Elle est fort à pouvoir brimer les droits des citoyens. Cette maman pouvait recevoir un mandat de comparution, une convocation, même au Soussiat, vous le prenez dignement. Dignement. Est-ce que maman Denise Tshisekedi Nyakiero
est-elle informée que cette maman a été enlevée à 4h du matin parce qu'on dit qu'elle aurait parlé mal d'elle? En tout cas, la maman d'Élise que moi je connais, pour qui j'ai énormément de respect et de considération, n'aurait pas accepté que cette maman soit arrêtée à 4h du matin et brutalisée comme ça. Tshisekedi Étienne est vraiment en train de se retourner dans sa tombe. De voir que lui, il a sacrifié sa vie. 37 ans ou 40 ans dans la lutte, dans le combat. Il nous a vendu le rêve de l'état des droits. Pour que son fils qui arrive au pouvoir fasse ce qu'il est en train de faire. Bandeko, ils sont arrivés à 4h du matin dans la maison de la maman là. Parce que soi-disant, il aurait dit que la première dame c'est une Rwandaise et que la première dame Asimara Bakisi, Asimela Mobali, le président de la République Bakisi. Peut-être que les gens se sont sentis lésés par rapport à ce qu'il a dit. Peut-être qu'il y a des faits infractionnels dans ses propos. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais l'État doit être l'exemple du respect des textes et du respect des droits. Quand il faut arrêter quelqu'un, quand il faut interpeller quelqu'un, quand on est l'État, on doit prêcher par l'exemple. Il y a une procédure à suivre. Vous venez enlever une vieille dame de 69 ans chez elle à la maison. Vous violez ses droits. Alors nous parlons, on me dit qu'il est à l'Ipekine. Il fait quoi? Et les gens qui font ça sont des gens qui ont insulté Kabila ici. Vous arrêtez la pauvre dame, vous libérez Jules Mounieré. Alors nous parlons, Jules Mounieré est dehors. Cet homme a fait un appel au meurtre. Il a donné les adresses des gens. Il a dit, allez dans tel coin, vous trouverez tel. Il faut les éliminer. Allez dans tel coin, adresse tel à Bandal. Et ces appels ont eu des effets néfastes. Parce que 24 ans ou 48 heures après que Jules Mounier ait donné les adresses des gens, on a vu des gens avec des t-shirts estampillés UDPS descendre avec des machettes pour tuer sur l'immeuble, comment ça s'appelle, Yesounou Djibou à Bandal. C'est Jules Mounier qui a demandé aux gens d'aller là-bas. Soi-disant qu'il y a des gens qui ont des longs nez. Mais ils ont arrêté Mounier pour faire taire un peu la colère de la communauté internationale. Et aujourd'hui, Jules Mounier est sorti en triomphe, victoire. Mounier qui a appelé les gens, qui a fait un appel au meurtre. Il est dehors. Barnabé Milingano qui a dit au Kouliam Bouma. Et en prison, il pourrit en prison. Et Teni Longondo, en plein Covid, il y a un rapport accablant contre lui. Cet homme a détourné l'argent des fonds Covid. Nous sommes en pleine épidémie, donc il y a même des circonstances aggravantes contre lui. On l'a arrêté, on l'a envoyé en prison. Augustin Kabouya est allé le suivre en prison. Le lendemain, l'ordre a été donné. Et Teni Longondo est sorti de la prison, victoire. Alors que ceux qui ont travaillé pour lutter contre Covid n'ont pas été payés, entre autres parce que Longondo et Teni a détourné l'argent. Il est sorti. Il est sorti, il est dehors en train de se promener. Et des cas comme ça sont légions. Mais voilà que ce régime va se permettre d'aller casser la maison d'une vieille femme de 70 ans. À 4h du matin, de l'enlever. La police va faire les désordres. Et j'ai suivi son mari qui dit que la maman, une pauvre commerçante, qui vendait là-bas, a vu ses 250 dollars partis par les policiers qui étaient venus l'arrêter. Et maintenant, on va venir à Pékin. C'est en sérieux, les amis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ils ont pris Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge des communications du PPRD. Les amis, j'ai vu les images, je l'ai vu par vidéo. Ce garçon est aujourd'hui en lambeaux. Il est dans un état piteux. Les témoignages annoncent que Bazouba Kangé Maboko va bien misséler na singa, va bien misséler. On l'a torturé terriblement. Excusez-moi de vous le dire, Jimmy ne sait pas me montrer Simanaye. Toutes ses fesses sont rouges. Moukongone Pauline Afimbu. On l'a torturé terriblement. 10 jours de torture à la mer.
10 jours de torture à la nerf. Alors que Tshisekedi avait dit, quand il a pris le pouvoir, qu'il va fermer tous les cachots de la... Je crois que je dois avoir cette vidéo-là, Jason. Je crois que je dois avoir cette vidéo-là. Jimmy Kitenge est aujourd'hui en lambeaux. Il est dans un état piteux. Quand on leur pose la question, ils disent « Kabila a fait ça aussi. Jekoko Mulumba a souffert dans la prison. » Mais est-ce que ça ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le président de la République? Donc si Kabila avait fait ça, pourquoi Kabila est parti? Pourquoi nous avoir vendu le rêve d'un changement? Aujourd'hui, l'UDPS qui a combattu Kabila, prend Kabila comme exemple. Supposons que Kabila ait fait ça, oui. Faut-il que vous, au pouvoir, vous puissiez réitérer les actions et les actes que vous condamniez à cette époque-là de Kabila? Le président a promis qu'il va fermer les cachots de la... Jason, mets-moi cette vidéo-là. C'est juste 40 minutes, je vais revenir, avant de pouvoir aborder la question de la MONUSCO. Regardez ce que M. Tshisekedi nous disait pendant la campagne électorale. Ça, c'est une vidéo de lui pendant la campagne électorale. Et même quand il a pris le pouvoir, je crois que c'était à Londres. Ça, je peux vous diffuser demain. Regardez ce petit extrait. Et puis, je vais revenir. Reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières décisions? Ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air des MIAP, machin. Tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ça, vous suivez. Vous ne rêvez pas. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On lui pose la question. Il dit, quand il prend le pouvoir, il va arrêter. Il va fermer tous les cachots. Mais Jimmy Kitenge est allé faire quoi dans les cachots de la nerf, monsieur le président de la République? Ce garçon a été sauvagement torturé. Torturé. Dans les locaux de la... Donc, il a transformé la nerf comme une sorte de police de la Gestapo où on arrête des gens, on les torture. Nous attendons les réformes de nos services de renseignement et de sécurité. La nerf qui arrête les gens aujourd'hui. La nerf était où quand Kunda Batwa, Sultani Makenga et le M23 sont rentrés dans l'Est de la République? La nerf était où? La nerf était un service de renseignement. Il devait donner des renseignements pour dire, attention, Sultani Makenga avec le Rwanda prépare encore une autre entrée dans le pays et aller là-bas. La nerf de M. Tshisekedi montre ses muscles et ses forces seulement quand il faut attaquer les gens, quand il faut prendre la population. Momo du PPRD est à la nerf depuis le mois d'avril, le pasteur Momo. On l'a pris à Kolwezi, on l'a amené à la nerf. Et encore aujourd'hui, nous parlons, les gens qui sont dans les cachots de la nerf. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est une malédiction que d'avoir le fils de Tshisekedi Tshisekedi Mulumba comme président de la République. C'est une malédiction. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait? Sous les règnes de Tshisekedi Félix, on va prendre une vieille mère de 70 ans à 4h du matin. Mais vous avez des choses à nous reprocher, monsieur. Respectez les principes, respectez le droit. Envoyez un mandat de comparution, envoyez une convocation. On est allé chercher cette pauvre maman-là à 4h du matin. On l'a enlevée. Bazou va tomber le rôle à Missiboy. Bazou va boire dans ma cam. Babot, ma yibi mort, on a bien sur les Israéliens à Katsandako. Son mari parle depuis de $250. Ceux qui ont ma commerce ne sont pas tégaramma, pas sont pas tégaramine. Bakéi Namo. Ils ont pris Jimmy Kitenge 10 jours dans les cachots de la mer, torturé. J'ai parlé avec. Bazou va cagner ma boko, ma tchéni na singa, ma bendi singa, selon les renseignements. Bazou n'yata e fimo, moukon eza ya kopola, simana eza ya kopola. Et c'est ça le régime de l'UDPS. Monsieur le président de la République, monsieur le président de la République, monsieur le président de la République, vous pensez vraiment que c'est pour ça que votre père s'est battu? Qu'est-ce qui se passe avec vous, monsieur Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est vrai que le pouvoir est l'un des réalités. C'est vrai que l'ivresse du lait est plus importante que l'ivresse de l'alcool. Que quand quelqu'un est ivre du lait, il ne comprend plus rien. Mais ça, ça n'est des trop quand même. On rêve où on est vraiment sous le règne de Félix Tshisekedi, fils biologique de Tshisekedi Mulumba, pour qu'on vive des situations comme ça dans ce pays-là.
Le journaliste est brimé, les politiques brimés, les manifestations publiques. Attendez. Entre-temps, l'insécurité, ils n'arrivent pas à les terminer. La faim grimpe, l'économie est par terre, l'armée n'a pas de solution. Tout est par terre. La seule chose qui marche dans le pays, c'est la jouissance. Quand il faut jouir, là, le pays va bien. Il peut prendre toute sa famille, ses amis, à quel moment dans Marbella, Bazuba Villa, là, ça marche. Quand il faut détourner, là, c'est la seule chose qui marche dans le pays. Les détournements, c'est toujours en termes de millions. Ils vont escroquer les gens avec RAM, 300 millions. L'argent, c'est dans la présidence de Tshisekedi. Ils sortent une histoire comme ça, oh non, ça joue. Baki Bazou, 500 millions de dollars. Là, c'est bon. La jouissance. Là, c'est bon. Et le tourisme, les voyages touristiques. La présidence s'est transformée à une agence internationale du voyage touristique d'État. Le président lui-même est dans le rôle des touristes en chef. Il vient assouvir sa passion pour les voyages touristiques au sommet de l'État. Mais quand on regarde son peuple, on est en larmes. On va prendre une vieille mère, une vieille maman de 70 ans, comme Beni Basali Ouana. Ils vont prendre les... Non, je suis dépassé, les amis. Parfois, on a même plus envie de continuer à faire des émissions, parce qu'on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit ici, monsieur Tshisekedi, monsieur du pouvoir, monsieur de la mer, Bino Batubobanda Ner Wanate. Ne soyez pas amnésiques. Avant vous, il y avait des gens là-bas. Ils ne sont pas là. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Votre tour arrivera où vous serez traqué. Ce n'est pas du tout normal. Votre tour arrivera. Parce que vous pensez que Mboke est commis, bien privé, ou ma papa n'a bino, ma tige la bino comme père à lunettes ou à biayo. La loi existe, les principes existent. Si des gens vont à l'encontre de la loi, vous leur appliquez la loi. La force arrête la force. Mais la force, sans la loi, il devient quoi? Il devient une jungle. On est dans une jungle. Le fils de Tshisekedi a transformé le pays en une sorte de jungle. C'est triste et ça fait mal, les amis. J'ai même envie d'arrêter l'émission, là. J'ai vraiment envie d'arrêter l'émission. Jason, j'ai déjà fait combien? J'ai vraiment envie d'arrêter. J'ai plus le courage de continuer l'émission. Pardon? J'ai vraiment envie d'arrêter l'émission, les amis. Congolais, il est temps, à un moment donné, que... qu'on se réveille, qu'on se pose des questions qu'il faille, qu'on puisse réfléchir et retenez ce que je vous dis, que ces régimes que Kabound appelle des jouisseurs, des incompétents, des détourneurs, ces régimes n'aiment pas le pays. Mais je le dis et je le répète, c'est seulement parce que les gens sont amnésiques. C'est seulement parce que les gens sont amnésiques et qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire, l'OPP va grossir la bangou. Laissez-moi trouver la force de poursuivre cette émission. Maman, ça va m'en accomplir. Aïe, 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 aïe. Et moi, ce qui me tue et me désole, c'est que toutes ces choses-là, c'est faux. Pendant que le fils de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba est président de la République. Pendant vraiment que le fils de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba, quand on peut vraiment imaginer le rêve que M. Tshisekedi nous a vendu, Tshisekedi Etienne, je veux dire, quand on peut une seule seconde croire aux espoirs qui étaient placés quand son fils est arrivé au pouvoir. Et vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement dramatique. Les amis, laissez-moi aborder mon sujet. J'espère que j'aurai la force de dire tout ce que j'avais à dire. Quand je vous ai dit, quand ma maman a dit, ça l'a bien. Il y a maman, et puis l'homme, il a boutou, j'ai pu
discuter avec Jimmy et voir dans quelles conditions, dans quel état il était. Sincèrement, sincèrement, je vous dis que il y a des choses qui font mal. Bato fait ma fanda na poto. Soba no tekaba pizai, soba no sa nini, soba no tekaba. Fait ma fanda na poto ba continuer ma mando sa. Sincèrement, fait ma fanda na poto ba continuer ma mando sa. Fait ma fanda na poto ba continuer ma mando sa. Vous avez ma responsabilité, bato ba découvrir ba pour la première fois signataire ba commune à niveau wana donc bon, pardon. Tout dans le lobby. Ça fait pas bien. Sincèrement, excusez-moi les amis, je voulais vraiment pas en finir comme ça. C'était même pas mon sujet du jour, mais ça fait très mal. Et la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.